Faut qu'il soit bien symétrique. Coucou, ben voilà, c'est une petite vidéo pour montrer. Bon, là, on est en train de faire un atelier mandala du verbe. Donc, le mandala du verbe, c'est avec les nombres premiers, la suite de Fibonacci. Et donc, on calcule, au départ, on calcule soit son prénom avec son nom de famille ou... On peut faire, on peut faire plein de choses, des dessous de table avec l'énergie, la vibration du mot qu'on choisit. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'où vient la base. Et on trouve les mémoires. Donc, en fait, ça, c'est la mémoire de l'eau. C'est Masaru Emoto qui a eu l'idée, un scientifique, de congeler de l'eau avec, au départ, il a mis des pots de... Il a mis sur l'eau des étiquettes avec le mot bonheur et il a congelé de l'eau et au microscope, il a regardé ce que ça donnait. Donc là, c'est de l'eau avec l'étiquette bonheur dessus. Voilà. Espoir, émotion, vérité, éternité. On voit que la structure de l'eau, elle est magnifique. On dirait des flocons de neige. Amour pour l'humanité, honnêteté. Voilà, quand on arrive à des trucs non naturels, ça déstructure la cellule. Le désespoir. Bon, ça, c'est un mandala. Ce qu'on peut faire avec des mandalas, c'est-à-dire qu'on peut faire des dessins. Oui, petit à petit, André, merci. Là, c'est la paix et la guerre. On peut voir le flocon de neige. Et là, il n'y a plus... c'est déstructuré. Avant la prière, l'eau avant la prière, et l'eau après la prière. Voilà, on voit bien que le flocon de neige, il est fait après la prière. Donc c'est qu'avec les intentions et les pensées aussi, on structure l'eau. Alors comme on est fait de 85% d'eau au moins, voilà, le lac de Fujiwa. Avant la prière et après la prière. Bon, ça, c'est des mandalas de mes copines. Voilà, ensuite, on peut faire des mandalas avec la vibration, donc le mandala du partage. Aimer, c'est mon deuxième prénom. Alors, on peut voir dans le cube, en fait, on peut voir l'énergie du cube, là. Tu vois, tu as le carré du cube, là. Ça fait le Rubik's Cube, et après, tu peux partir sur l'étoile. Enfin, c'est vraiment de la géométrie sacrée multidimensionnelle. Dans ces mandalas, on peut voir le cube en base. Et en fait, c'est 6 triangles. Le centre et les 6 triangles. 1 triangle, 2 triangles, 3, 4, 5, 6. 6 étoiles, quoi. Voilà, Cécile, André. Ça, c'est des mandalas qu'on a fait, qu'on s'amuse à faire. Ange des Alberts, Morgane Salomé, c'est la première fille d'André. Amour infini, amour... Papa, maman. Johanna Roxane, c'est la deuxième fille d'André. Marie, c'est mon deuxième prénom. Ben non, et Cécile et Marie, mon troisième prénom. Marie, c'est pareil que le mot merci, Marie. Donc en fait, là, au niveau vibratoire, Marie, il y a des mots qui sont pareils que des prénoms, quoi. Voilà, ensemble. Avec des couleurs différentes. Le oui et le non. On peut voir que le nom est très coloré, donc c'est très positif lorsque on arrive à se positionner devant des personnes et qu'on ose dire non, en fait. C'est un grand oui pour soi. Hein, le oui, le non, c'est le bonheur, le rêve, la sagesse. Voilà, et on peut faire des dessous de table. On peut dire, par exemple, bonne année 2020 à quelqu'un et en faire des dessous de table, c'est-à-dire l'agrandir et le mettre sous les assiettes et ou sous un verre ou voilà, bon bref, tout est possible de toutes les tailles, tu vois, on peut en faire des petits comme ça. Et en fait, ça envoie l'énergie, bonne année, bonheur, machin, et ça met la vibration de la nourriture ou de la boisson à l'énergie du mandala. Voilà, on peut faire des tout petits, tout ça, voilà. Et ça s'offre, on peut offrir des mandalas. Soit on apprend aux gens à en faire. Alors, je vais un petit peu expliquer comment on fait. Et après, on peut mettre en place un mandala, pas un mandala, les tableaux expressifs par mail à envoyer en PDF. Alors, en fait, on va...
Tu vois, tu as un tableau de valeurs des lettres. Donc, ton prénom ou le mot que tu as envie d'écrire, tu le transformes en chiffres. Donc, ça fait comme ça. Ici, on a mis gratitude. Donc, gratitude à l'endroit, puis après en miroir. D'accord ? On a la première ligne, c'est le G, c'est le nombre 7. Le R, c'est le nombre 9. Le A, c'est le 1. Le T, c'est le 2. Le I, c'est le 9. Le T, c'est toujours le 2. Le U, c'est le 3. Le D, c'est le 4. Et le E, c'est le 5. Et après, tu mets gratitude à l'envers et tu réécris les chiffres. D'accord ? Ça, c'est ta première ligne. Ensuite, ta deuxième ligne, tu additionnes les deux premiers chiffres, 9 et 7. Donc 9 et 7, ça fait 7. En fait, c'est quand ça dépasse le 10, on additionne les deux chiffres. C'est-à-dire, ça fait 11 et 1 plus 1. Donc 9 et 1. 9 et 1, ça fait 1. Hein ? 1 plus 2, ça fait 3. 2 et 9, ça fait toujours 2. En fait, à chaque fois qu'il y a un 9, on répète le chiffre d'avant. 9 et 2, ça fait toujours 2. 2 et 3, ça fait 5. 3 et 4, ça fait 7. 4 et 5, ça fait 9. 5 et 5, ça fait 10. Donc, c'est 1 et 0. 5 et 4, ça fait 9. 4 et 3, ça fait 7. Bon, voilà. En fait, et ensuite, ce qui se passe, c'est... Donc, on finit la ligne comme ça, petit à petit, on fait une deuxième ligne, et petit à petit, on continue. 7 et 1, ça fait 8. Et en fait, on va descendre, jusqu'à ce que ça nous fasse une clé. Jusqu'à ce qu'on trouve plus qu'un seul chiffre. Les deux d'au-dessus doivent être les mêmes, puisqu'on trace une ligne centrale, qui est en fait un... pour se repérer le miroir. C'est-à-dire que le triangle, là, il est séparé en deux et ce côté-là ressemble à ce côté-là. En effet miroir, c'est les mêmes chiffres. Donc, ces deux-là doivent être les mêmes si tu t'es pas planté. Et pour savoir si ton calcul il est bon, ces deux-là, et ça doit être les mêmes. Une fois que tu as ces trois chiffres-là et celui-là, il y a une autre feuille qui est aussi à télécharger en PDF, mais... je sais pas si j'en ai une par là. C'est ça. Il a compris, monsieur, dis donc. Enfin, c'est chaud. Hein. Donc, en fait, ta clé, tu repars d'en bas, là. Donc, les trois chiffres en bas, tu poses ton 1 ici. Et ton 959, juste les trois au-dessus, ici. Prends l'exemple là. Ah voilà, merci. Donc ton 1 et ton 959. Et après, tu vas monter en V comme ça, en calculant, toujours comme on a fait tout à l'heure, 5 plus 1. Voilà, les coloriages, ils sont en V aussi. Oui, il y a un 959, ouais, c'est bon. Donc ouais. Tu montes en V, donc ça fait 5 et 9, ça fait toujours 5. 5 et 5, ça fait 1, puisque ça fait 10. 1 et 6, 7, 7 et 4. On monte en V, et donc ce côté-là, il ressemble à celui-ci. Et en même temps, la colonne centrale, qui est toujours en effet miroir des deux côtés, qui monte jusqu'en haut, tu fais 5 et 1, 6. 6 et 2, 8. 8 et 1, 9. 9 et 1, 1. 1 et 2, 3. 5 et 3, 8. D'accord ? 8 et 5, 13, et 13, c'est 1 plus 4, d'accord? Donc, une fois que tu as ce triangle-là rempli de tous tes chiffres qui correspondent aux couleurs de ton mandala à toi, avec ton prénom ou le mot que tu as choisi, eh ben, il va se passer que tu vas prendre un mandala neutre que je suis en train de chercher. Voilà. Et que ça, c'est tu peux voir un cube, mais tu peux voir aussi l'étoile, donc à 6 triangles, là, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ces couleurs-là, ces chiffres-là, tu vas les transposer 6 fois, comme ça. Ton étoile, 6 fois, sans te tromper, hein, ce qui est difficile au début. Une très forte concentration.
Et en fait, on a un tableau. Donc ce tableau-là, une fois que tu as... Donc ça, c'est le tableau que j'ai montré au début pour tes lettres et tes chiffres. Là, tu as tes clés. Donc là, ici, on peut voir que c'est la clé. La clé, le numéro en bas, c'est le 1. Donc tu prends ta colonne 1 et, et ça va te donner tes couleurs. Ton 1, il sera rouge. Ton 2, il sera bleu. Ton 3, il sera vert. Ton 4, il sera jaune. Ton 5, il sera ciel. Ton 6, il sera turquoise. Ton 7, il sera rose. Ton orange, il sera orange. Ton 8, il sera orange. Et ton 9, il sera violet. Ça, c'est tes couleurs. Tu vas commencer ton mandala. Et pour te faciliter, comme elle a fait Christine, là, elle est en train de faire son mandala. Voilà, avec sa clé. Toi, c'est gratitude. Donc, gratitude, voilà. Elle a mis toutes les couleurs avec les chiffres. Et elle se réfère à son triangle ici. Moi, c'est coronavirus. Qu'elle reporte... On va passer à toi après, André, t'inquiète pas. Je vais, je vais faire le tour de table. Hein. Donc voilà. Donc Christine, elle fait son triangle. Et en fait, Christine, par rapport à ce qu'elle a besoin en elle, elle a besoin de commencer par l'extérieur. En elle. De son triangle. Voilà, qu'elle refait, qu'elle va refaire 6 fois. Voilà, là on en a 4. Et elle commence par l'extérieur. Bon, je vais montrer un peu ce qu'on faisait, le centre, pour qu'elle détermine et qu'elle voie les 6. Les 6 triangles. Donc ça, c'est le mandat à la gratitude. On va voir le travail artistique final. Hein, donc André, lui, il est un peu... lui, il a trouvé son mot du jour, coronavirus. Et André, lui, colorie couleur par couleur par rapport à son triangle de base. Ça, c'est son calcul avec ses chiffres à côté. Et lui, sa façon de fonctionner, c'est couleur par couleur. Donc, il commence par d'abord le, je sais pas, le 1. T'as commencé par quoi? Le bleu? Bah, par le bleu. Il a commencé par le bleu. Bon, il choisit une couleur et il colorie toutes ses couleurs, tous ses 1, tous ses 2, tous ses 3 au fur et à mesure. Voilà pour monsieur Coronavirus. On verra le, on verra le mandala final. Qu'est-ce que ça donne? Très infecté d'ailleurs. Voilà pour Valérie. Alors toi, t'as choisi quoi, ton prénom, non, c'est... Mon nom et mon prénom. Son nom et son prénom, voilà, qu'elle a calculé là. Donc ce que qu'on peut voir ici, ce que je lui ai montré, c'est que quand on calcule son nom et son prénom, après on le fait en verlan, hein, à l'envers, et que le triangle, il fait un chiffre double, un chiffre simple, un chiffre double, un chiffre simple, jusqu'en bas. Chiffre double et chiffre simple, pour avoir le miroir droite et gauche, voilà. Et pareil, Valérie, elle a besoin de commencer par l'extérieur et faire chaque chiffre un par un et faire le voilà. Et donc c'est très intéressant, c'est d'aller vers l'extérieur, vers le centre. Il y en a d'autres qui vont vers le centre, vers l'extérieur. Et on est tous uniques et fantastiques, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc là, c'est l'atelier mandala du verbe. Et après, si tu veux voir mettre tu m'épouses la vidéo sur ça et tu peux le lire. Comme ça, tu peux voir toutes les énergies que ça peut mettre en place. C'est tout le texte. Voilà. Comme je parlais des mathématiques de la suite de Fibonacci. Voilà. Voilà, voilà. S'il y a des personnes intéressées, tu nous le dis. On t'envoie un PDF, mais je crois qu'on l'avait fait sur notre blog, André. Oui. Je crois que c'est en PDF déjà sur notre blog. Donc ça, c'est sensationnel. Bon, ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on peut dire en plus de ça. Bon, ouais, j'en ai fait pendant un an et demi. J'en ai fait 33. En fait, voilà, je me suis vraiment amusée. J'ai tous les calculs un par un. Enfin, je me suis amusée à créer mon propre dictionnaire des prénoms et tout ça, parce que pour aller, en fait, après, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus facile. Plus on en fait, plus les calculs sont faciles. Et en fait, voilà, c'est là. Je me suis amusée à faire un dictionnaire en fonction des codes qu'on trouve. Donc, il y a 99 codes. Ça part du 1, 1, 2, 1, 3, voilà. Et on peut voir, par exemple, on va en prendre un au hasard, allez hop, vérité. Donc le mot vérité correspond au mot Michel, au prénom Michel, Rita, Carnita, Togo, protection divine. Voilà. Alors, donc ça veut dire qu'on a protection divine quand on est en Yves vérité. Daniel Le Provost, c'est mon père, Pascal Claude Isabelle Deschères, Yves Daniel, enfin voilà, bon bref.
C'est-à-dire que, bah voilà, c'est, il y a plusieurs mots qui se correspondent et c'est vraiment illimité dans l'univers, quoi. Hmm? Voilà, voilà, sur ce, bah bon coloriage et on se dit à plus tard, les loulous. Merci, merci. Voilà, ça c'est le mandala de Louise. Qui est terminé. Merci, merci, bravo. Donc, coucou, une petite vidéo en plus pour rajouter au mandala du verbe. Regarde, la fleur de vie, c'est beau mandala, là. Tu as vu ça un peu? La spirale infinie. C'est pour montrer un peu... Bon, ça, c'est fait avec... Oh, mon petit chat, il a besoin d'un câlin. Il a besoin d'un câlin, mon chat. Bon, oui, mon cœur. Donc, là, c'est avec... c'est au feutre. Au feutre, donc ici, tu as la clé. Donc, c'est-à-dire que les... Il a du mal à... Avec la lumière, lui. Là, tu as la clé, c'est-à-dire les trois chiffres d'en haut et celui d'en bas, les plus intéressants. Donc, on s'est aperçu que plusieurs... Enfin, une clé peut, signifie, je sais pas, 40, 80 mots, 100 mots, quoi. Voilà, Betsy, c'était le nom de ma chienne. Ça signifie aussi demander. Et c'est vrai que quand j'avais 14 ans, bah, j'ai demandé une chienne au divorce de mes parents. Donc, c'est super symbolique, tu vois. Donc, voilà, toujours la clé ici. En fonction des mandalas. Et puis, donc, j'ai plusieurs grandeurs de mandalas. Tu vois. Ça, c'est plus petit. Et l'autre, c'est plus grand. Je vais te montrer après. Donc, pour répondre à une question où c'est bizarre, le mot merci ou le mot joie signifie... humiliation, mais en fait tous les mots, enfin un seul mot n'a pas une seule signification. Donc je viens de dire qu'il y a des centaines de significations par code et donc par mot, quoi. C'est-à-dire que un seul code peut signifier. Oui, j'entends que tu t'amuses, mon chat. Une centaine de mots. Il est curieux, ce chat. Oui. Hein. Voilà, ma chienne Betsy, je t'aime. Donc ça fait des très très beaux mandalas. Donc love, patience, je t'aime, André et Cécile, Moïse. Donc c'est ça. J'ai mis les mots qui signifiaient au fur et à mesure en dessous, qui avaient la même vibration. Tu vois là, le code il est là. Et puis voilà, dauphin, c'est plaisir, c'est Alejandro. Voilà, le code il est là. Voilà, mes trois prénoms, mon nom de famille. Après, on peut faire même des mandalas avec la date de naissance des personnes. C'est vraiment infini, hein, le nombre. Avec les nombres, justement. Donc voilà, on peut voir. Et en fait, on a aussi un logiciel qui calcule. Les mandalas tout seul et qui nous donne justement les centaines de noms qui vont avec. Donc ça, on l'a eu beaucoup, beaucoup plus tard, puisque ça, je l'ai fait en 2006, moi. Et j'en ai fait, donc, comme j'avais dit, 33 dans la première année. Donc je mets à peu près une heure et demie pour faire un mandala. Et en fait, il faut pas non plus aller trop vite, parce que bah tu peux te tromper dans la clé et du coup, tu déstructures tout, quoi. Ton truc, il est faussé. Il faut prendre son temps. Il faut regarder bien si à droite et à gauche, et c'est les mêmes chiffres. Si à la fin, ça correspond bien. Et... Prendre son temps. Je sais que des fois, nous, on en a pu se tromper. Donc, on a trouvé des mots positifs, mais on peut dire aussi des gros mots, hein, pour ceux qui voient que, par exemple, humiliation par rapport à joie, c'est pas du tout la même énergie. Bah si, c'est soit tu... C'est la même vibration, sauf qu'il y en a une qui peut être lourde et puis l'autre légère, tu vois. Voilà, le oui, ça correspond à... Guérisseur de la terre-mère, c'est pas beau, ça?
Et c'est que des 6, le code. Hein? Bon, voilà, ça c'était tous les mandalas qu'on a fait. Nous-mêmes. À la main. Illimité, amour infini, avec le code. J'ai l'impression que l'appareil, il a du mal à prendre. Tu peux un peu voir à quoi on s'amusait un peu. C'est vraiment, c'est très joli. Hein. Est-ce que ça signifie? Voilà, marronnier, c'est métamorphose, œuf, écureuil, immortel, sagesse. Tu vois, le code, c'est ça. Après, tu peux t'amuser à prendre des feutres. Tu sais, brillant, là, c'était couleur argent. C'est sympa, c'est très joli. Il y en a qui mettent des petites décos, des petits diamants qui collent tout ça. Voilà, douceur, nourriture, forgée, action, bonheur, ce cylindre. Voilà, c'est... Là, c'est un... T'as les deux feux, t'as couleur or et couleur argent. Et ouais, c'est vrai que c'est sympa. Ça donne du relief. Ah, tu peux faire avec des feux de fluo. Tout ce que t'as envie, quoi. Bon, on en a des dizaines et des dizaines. Hein. C'était vraiment un jeu splendide. Magnifique. C'est de l'introspection. La concentration et c'est la nourriture de couleur. Et de la géométrie sacrée. Voilà, voilà. Donc on a fait un peu les prénoms des personnes qu'on rencontrait. C'était super sympa quoi. Voilà, voilà. Montre un petit peu André Georges Albert. Courage. Donc là, ici, je peux expliquer qu'André, il est... Lorsqu'il a fait ce mandala-là. Le mot courage. En fait, le départ, c'était le mot courage. Il est tombé malade 3 jours. Ça a bien travaillé. Cécile André, le mot douceur. Non. Rêve, bonheur, forgé, action. Voilà, ça c'est un autre mandala. Plus grand encore. Plus grand, plus grand, plus grand. On peut voir. Voilà, ça c'est encore un autre mandala. Que tu colles, en fait, ton mandala il s'arrête là, mais tu rallonges tes pointes. Il y a une infinie de possibilités. Tu vois, là, on revoit humiliation, joie. Bon, voilà, c'est celui qu'on avait vu avec Louise. Marie-Jeanne, Esmeralda, féminin sacré. Tout est possible. Hein. Tous les prénoms, tout est possible. Hein. Donc, on a plus fait des choses positives parce que ça nous monte vers le haut. Plutôt que l'inverse. Hein. Bon, on a assez... Ce système nous tire assez vers le bas. On n'en a pas besoin. Oh, regarde, une autre forme de mandala. Ah, oh, celle-là aussi. Après, on peut en faire des plus petits, comme ceci. Bon, je montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire, moi. Voilà, avec des pointes qui sortent un petit peu... Donc là, je vais me poser la question pour savoir comment je peux les mettre sur PDF ou sur le site pour pouvoir les partager. Normalement, elles sont sur notre blog à cécylindre.wordpress.com. Ça, c'est ma maman. Donc, les deux enfin, Marie-France et maman, je t'aime de tout mon cœur, c'est la même énergie. Voilà. Oh, le beau mandala.
Voilà, j'ai appris aussi à faire des carrés. C'est un peu plus compliqué dans les calculs. J'en ai fait que un ou deux, je crois. Voilà les beaux mandalas quand même, hein? Quand même. Ça, c'est la fille d'une copine, c'est l'énergie de la terre. Bon, en fait, ça finit plus, hein? Ça finit plus parce qu'on en a fait, on en a fait, hein? La quête intérieure, ouais. Ça dépend comment tu l'écris, quoi, hein? Voilà, donc là on arrive à la fin. Après, si tu veux, voilà, il y a des... Comment ça s'appelle? Ben ça, c'est... C'est les feuilles vides pour pouvoir commencer. Voilà, j'ai des exemples. Des matrices. Voilà, il y a même des nids d'abeilles, tout ça. Bon, je pense qu'il y a sur le... Sur notre blog, il y a les... Bon, il y a plein de sortes, vraiment plein de sortes de... Ça, c'est la grille pour pouvoir... Qui explique comment on fait. Voilà, il y a vraiment des tout petits. Et... Donc ça, je l'ai expliqué, les tableaux. Les tableaux, bah, il y a des personnes qui me demandent, c'est comment c'est... Pour... Bon, les lettres, c'est logique. Mais... on voit rien du tout, j'ai l'impression. Avec le soleil... Et en fait, on me demande pourquoi ces couleurs-là. Bah, c'est la femme qui les a créées. Donc, t'as la couleur des chakras, c'est-à-dire que dans ton mandala, tu vas avoir du blanc ou du doré. Et sinon, tout est rempli et au-dessus, c'est des couleurs sans le blanc. C'est toi qui choisis. Voilà, puis après, moi, je garde tous les triangles de calcul. Ça veut dire que... Au bout d'un moment, bah, tu les as tous. Hein. Tu as tous les triangles. Tu vois, moi, je les garde tous, toutes les clés, quoi. Ça fait que dès que tu retombes sur une, bah, je l'ai mis ici. Tu vois, comme il y a 9 chiffres. On voit rien du tout. En tout cas, moi, je vois rien du tout. Comme il y a 9 chiffres, donc il y a 81 possibilités. Voilà. Il y a 81 mandalas à faire. Voilà. 81 triangles, quoi. Après, comme il y a plusieurs couleurs, il y a avec les chakras et sans chakras, bah, ça fait encore plus de possibilités, ça double. Voilà, voilà, merci, merci. S'il y a des questions, s'il y a des idées, bah, bienvenue. À tout bientôt. Merci, merci.